Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons aborder le sujet du harcèlement sexiste qui fait de plus en plus polémique. Rejoignons nos envoyés spéciaux au lycée Vauvert pour un micro ouvert. Bonsoir, je me trouve actuellement au lycée Vauvert en présence de quelques élèves qui vont tenter de répondre à mes questions. Pour vous, qu'est-ce que le harcèlement sexiste? Pour moi, le harcèlement, c'est quand on insulte une fille parce qu'elle est habillée en mini-jupe ou des trucs courts, des trucs comme ça. Une femme est souvent harcelée dans les rues, dans le métro, dans le bus, quand on la siffle ou quand on lui parle, et tu as pas ton numéro. Avez-vous déjà été victime ou témoin de harcèlement sexiste? Non, moi je le prends plus sous la forme de rigolade. J'en ai déjà vu et j'en ai déjà aussi au collège. J'avais 8 ans, toutes les filles de ma classe, elles avaient déjà le corps et tout ça, et moi j'étais toute plate. Elles disaient ouais, t'as rien. Et du coup, je me sentais un peu à part. C'est vous que les hommes peuvent être aussi victimes du harcèlement sexiste? Non, ils vont plus recevoir ces réflexions comme un compliment, alors que les femmes, ils peuvent percevoir ça comme une attaque. Oui. Souvent, un exemple tout bête, hein, mais les homosexuels hommes, ils sont victimes de ça tous les jours. Vous avez régulièrement une fille salope, est-ce selon vous du harcèlement sexiste? Ça dépend du contexte. C'est du harcèlement quand on a des propos méchants. D'après vous, peut-on changer ses comportements? Oui, on peut, faudrait juste que les hommes se remettent en question et qu'ils se mettent à la place des femmes, qu'à long terme, c'est pas très agréable. Moi, je pense que ces comportements peuvent être changés. En augmentant la prévention et en sensibilisant les jeunes dans leur lycée ou collège. Merci pour ce reportage. Nous rappelons que le harcèlement est un délit qui est puni par la loi. La peine peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.